Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi, Sakma pour la caille. On nous porte un update pour qui a rapport avec ça, qui immigration en fait. Rappelez bien, nous te dit nous que USCIS est programmé pour l'ouvrir 3-4 mai, mais il a changé le moment où on a parlé là. En fait, ça pour comprendre, tout le monde capte, quel que soit le bagage qui ouvre, il dit que, quel que soit le bagage qui ferme, et que vous annoncez le bras l'ouvrir, au bout vous avez garanti que le bras l'ouvrir, on dit que le jour arrive. Ok, parce que il toujours dépend de qui gens et maladie a évolué. Donc pas une garantie les audions va être ouvert dans moment là. C'est ça arrivé tout. Dans cas où aussi à ça, bien que tu annoncé va l'ouvrir. En mai mais il update website là. Et en fait pas oublier que depuis le 18 mars justement et de manière temporaire suspend tout service qui involve une personne. Là, il dit que ce soit pour faire et fingerprint, que ce soit pour faire interview. Donc, il a évité contact avec le monde, son façon justement pour capable ralentir le coronavirus. Là. Tout côté a fait, autant que possible. Banque a fait, bon ensemble de banque on est là, c'est dans drive-through pour aller. USCIS a donné tout. Donc, plan c'est qui s'allait, il a dit que il a programmé pour ouvrir qu'on est là, c'est pour 4 juin. Ok? Donc, c'est pour 4 juin. Et au bien dit, 4 juin, vous dites, unless the public closure are extended further. Ça veut dire, on dit pour 4 juin, à moins que, il y a toujours quitté possibilité, ça va passer pour un bon là, il y a toujours quitté possibilité pour étendre plus plus. C'est comme ça, vous comprenez là. Ça veut dire 4 juin qui arrive là, autant de vous pour 4 juillet. Donc c'est ça, vous comprenez. Parce que l'idée, c'est quoi? Quel que soit le monde qui soit souvent en contact avec plusieurs mondes, c'est qu'on expose. Et ça lié. Ça veut dire, il n'y a pas justement exposé officier dans l'immigration. Pour y aller faute avoir pour ne pas avoir le coronavirus. Donc c'est la raison qui explique que vous étendez jusqu'à 4 juin. Mais vous dites nous que staff yo toujours continuer à performer responsabilité yo. Responsabilité qui pas impliquer contact avec public là. Donc vous voyez application ba yo pour processi constater yo ka écrire pour voyer mando additional document sur un bagaille qui manque. Mais yo dit yo font exception. However, toutefois, yo dit si gagne emergency service pour non situation limitée que capable bailler. Ça veut dire, ou même là par exemple, qui besoin d'un fingerprint, un cas urgent, faut qu'on montre que l'urgent, un cas qui implique la vie monde, on va en danger, il y a obligé de bail service dans cas emergency seulement, il y a recevoir monde pour appointement ou bien pour fingerprint, tout ça qui involve contact. Et service pas bon ici. Ou même qui te gen application pending, yo di y a voye notice ba ou, y a voye note la ba applicant ou bien pétitionnaire pour yo schedule appointment, ok. Pour yo schedule appointment ou bien cérémonie na qui gen rapport à naturalization tout, eh bien yo tout yo impact, yo gen impact, ça veut dire yo décision ça impacté. En clair, vous traduisez plus bien vous. Il y a un monde par exemple qui te gagne pour le prêter serment ou bien qui te gagne pour le passer interview pour vous US citizen, un exemple simple pour moi de mes cap vin là. Eh bien, yo dit ou que ou pas ka fè. C'est aussi simple, oui. Il y a gagne justement pour une note pour ou va recevoir une lettre en ce sens. Et USCIS Asylum office pour asilio, y a voyé notice qui dit que interview la cancel et y a automatiquement reschedule interview à vous. Avait dit ou même peut-être qui te gain interview pour asile, y a voyé note pour dire que cancel li et y a automatiquement reschedule interview ça pour une autre date. OK? Lorsque interview yo reschedule li, ou après se voyons nouvelle lettre
qui dit que l'interview là a une date donnée et a un lieu donné. Ok? Et lorsque USCIS recommence l'opération, la automatiquement reschedule l'application qui dans support center yo. Ça veut dire ou même qui gagne application pour par exemple pour résidence adjustment of status là ouvri c'est là ça il y a reschedule appointment. Ou bien pour recevoir nouvelle lettre ça qui bon dans mail ou OK. Moun par exemple qui te gagne interview à travers InfoPass, ok? Appointement, eh bien, on a bien pour reschedule à travers InfoPass tout. Les ou. En fait, yo dit nous que précaution, c'est plus gros zam contre maladie dangereuse qui c'est coronavirus ça. On a visité CDC pour gagner toute dernière et information. Continuez à pratiquer bonne habitude, évitez bailler la main, évitez embrasser les gens, lavez les mains, clean surface de la caille, c'est conseil ça, USCIS. Voyez pour nous. De nouvelles updates qui gagnent, voyez pour nous, c'est ça, USCIS. Donc en clair, nous connaissons que nouvelle ça, bien entendu, il y a un bon monde qui n'est pas content, mais c'est ça, les amis, pas. Les alliés, so, question, bon, est-ce que automatiquement, parce que là, nous parlons de USCIS, est-ce que justement, ça a tout étant pour Immigration Code? Bon, regardez, Immigration Code. Nous allons regarder ça, qui ça qui dit? Bien entendu, immigration code c'est limited exceptions. Bon, très certainement, c'est peut-être pour moun qui gagne des urgences, OK? Et bon moi, mais ça nous saute là. Ça nous saute là. C'est pour USCIS. Maintenant la question, est-ce que immigration code open? Donc yo dit tout monde qui te gagné en fait d'après notre nous là exception c'est pour monde qui dans prison simplement. Il dit sous dans prison, yo capable tendre. Mais tout monde qui pas dans prison yo postpone yo jusqu'à 15 mai, c'est ça yo dit là yo même. Priorité pour 15 mai. OK? Donc, vous postponez jusqu'à 15 mai. En parlant d'immigration code. Parce que vous dites all non détenus. Tout le monde qui part en prison, qui gagne une, vous vous postponez pour l'autre date. C'est comme ça immigration code là fonctionne. Donc ça t'a dit qui ça d'après vous même là d'après update yo c'est à partir de 15 mai OK donc voilà mais je pense que j'en dis a gagne en pile monde qui pas content pour nouvelle ça parce que monde a gagne dossier depuis longtemps t'a voulu finir avec ça mais c'est ça lié faut finir pas d'accord que nous en crise ah oui faut finir pas d'accord que nous sommes au cœur d'une crise. Nous on en cœur de une pandémie qui peut qu'on fini qui va obliger patient c'est ça aller va obliger patient d'ailleurs nous connaît que même la terre ouvrir un bon cas qui est toujours pas process m'a parlé pour monde qui parle des résidents permanent résident qui gagne case pour mari madame petite j'ai toujours dit au pas possession dans moment c'est seulement pour US citizen qui gagne madame petite et là encore US citizen non faut mon en Haïti ti la Haïti ou pas style pas process si d'après déclaration Trump là qui mande 2 mois pause il mande 2 mois pause donc d'une manière ou d'une autre quelque part USCIS il tape toujours fermé donc c'est comme ça dossier là et moi comprendre frustration pour un pile monde
peut-être qui t'a besoin de travail pour courir au travail, parce que mon avis longtemps. Mais nous voulons dire que y a pas qu'un peu de travail. Donc le monde qui a asile et autres qui gagne pending asile qui a toujours fait quatre travail. Yo. Ok, y a pas dit au campé. Donc ça qui campé et ça en fait Donald Trump lui-même t'es pas les pause pour résidence et déjà il dit non là mais USCIS d'où livre il jusqu'à 3 juin et l'enfant a dit que l'arrivée 3 juin il n'y a pas de bail extension encore. Donc voilà mes amis, nous voilà le pays qui fonctionne au ralenti. ARS office pas ouvri, l'or il est dans le téléphone ou presque pas qu'à joindre. C'est ça la nouvelle réalité. On est obligé de vivre en patience. Et que nous avons pour payer à démarrer, il y a pour démarrer, parti pas. Il bon pour tout, il n'y a pas courir à l'ouvrir, vous comme ça. Vous comprenez? C'est éviter, après éviter, vous ne pouvez pas faire plus de dégâts. Précaution pas capon. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas avoir un vaccin, bien que le président dit lui-même. Dégagez-nous à bleach. Vous comprenez? Désinfectant, mettez dans le corps nous. Ouais, mes amis. Mes amis, oh, tcha, j'ai un peu mon après l'amour, les nouvelles ça tombé. La CDC, quand t'as envoyé avertissement, on dit, mes amis, puis gars, mon a fait basse. On est que mon qui malade de Donald Trump, bon, fanatique malade, dit, oh. Vous comprenez, il dit, oh, parlez, c'est bas, ça, il a mouru. De toute façon, il voit avertissement, bas, oh. Parce qu'on bon mon qui malade de monsieur, depuis le dit, bagay, il a fait vraiment vrai. CDC, quand t'as envoyé avertissement, en pile, quand t'as après l'amour, en pile docteur là, quand t'as envoyé avertissement, parle, try bas, ça, n'a pas mouru. Vous comprenez? So, on va être chargé. Je dis à Michel Palé, Michel dit c'est blague de tabac. Michel dit son blague de tabac. C'est quand nous président, mon nom était. Mais nous-mêmes, félicitations. En tout cas, nous devons vous update ça pour vous, mes amis. Pas oublier que toute dernière information qui sortit par Boy Site, update yo. Nous devons faire le devoir par Boy Site pour nous mettre au courant. Nous porter des informations qui liées à ce qui a passé à Haïti aux États-Unis. Mais tout update qui a un rapport avec l'immigration, nous faisons être nous comme référence dans le domaine. Pas bon ici, là pour une beauté de vous. C'était un plaisir pour nous voter une nouvelle ça vous. Pas oublier, partagez nos messages sur les réseaux sociaux. Vous êtes connecté avec nous. Pas oublier, sur vos inscrits pour faire geste ça. Portez-nous bien. Bye bye tout le monde.